commençait à m'agacer, ce coq-là. Il chantait de plus en plus faux. Des applaudissements pour le reste de la bande, parce qu'il y a plein de gens dans l'ombre sans qui on serait pas dans la lumière. On veut pas les oublier à chaque fois. Alors justement, notre régisseur lumière et créateur des lumières, c'est Sam Gerletos. Le régisseur des microphones Arsor, Philoche le bienheureux. Merci Philoche. Régisseur général de cette équipe, Fanfan la Riflette. Merci, papa. Merci également à notre directeur technique son et lumière, Didier Gadin, de la société ATS. On applaudit également très fort notre artificier en chef, chef de la maison ATS également. Carlos. Un grand bravo à nos deux décorateurs, Luc Bassinot et Louis La Brocante, ici présents. Voilà. Et bravo aussi à notre régisseur plateau, Christophe Colin. Linus. On ne voudrait pas oublier non plus celui qui a composé toutes les musiques de ce spectacle, Hervé De Voldaer, un autre tourangeau qui est en Avignon en ce moment, qu'on applaudit très fort. Merci à toi, mon Hervé. À nos côtés, dans le rôle du contrôleur sanitaire, Laurent Priou. Regardez ça. Dans celui de Zoé, l'infirmière, Fanny Dubois. Oh, qu'elle est belle. Dans celui de Jean-René, le facteur, Sébastien Fraissinet. Oh, qu'il est beau aussi. Dans le rôle du gendarme de bureau, Vincent Fraissinet. Beaucoup moins beau. Dans le rôle de l'adjudant-chef Cornavin, Francis Rivière, la force tranquille. Et la jeunesse, la beauté autour de nous, la fanfare. Alors, et les majorettes, alors, il y a le petit Léopold qui est là-bas. Il y a Camille, la belle Camille. Il y a la belle Flo et le bon JB. Merci les jeunes d'être à nos côtés. L'autre beauté à nos côtés, dans le rôle de Julie, Christelle Chapatte. Messieurs, dames, allez. On applaudit également très fort Marie et Cathy qui s'occupent de la billetterie. Les filles, approchez. Clotilde, la responsable du marchandising. Sandrine, notre trésorière.
Sandrine. Isa et Dom, les responsables de la buvette. Et Jaco, notre cuisinier. Voilà. Jaco, notre cuisinier des Talons de Saint-Cyr. On voulait remercier également tous les bénévoles qui se relaient chaque soir. Venez nous rejoindre, les amis. Alors, ils sont à la buvette, ils sont au parking, ils sont au placement. Filoche, Tony, le père Alain, Janie, François, Charline Garde-Champêtre, Bibi, Isa. Oh, regardez comme ils sont bons tous, autant qu'ils sont. Et ces bénévoles sont menés de main de maître par un formidable garçon avec un cœur magnifique. Bébé Ritos, merci mon bébé. Voilà. Et bien entendu, on voulait terminer en remerciant la famille Méraud. C'est eux qui nous ouvrent les portes de cette ferme, mais aussi leurs bras, leur cœur, et quelquefois les robinets de leur cubiténaire. Merci à Bruno Méraud. Alors, ce soir, il y avait un concours de dessin. Il a été remporté par Solène Jourdain, 8 ans. Elle est de Villandry, on peut l'applaudir. Bravo Solène. Elle a gagné, Solène, un t-shirt dédicacé par toute l'équipe des Bonins. Bravo, Solène. Pas de problème. Puis alors, on a oublié de vous présenter la star de ce spectacle, c'est Ratatouille, mais c'est Ratatouille. Ratatouille, notre petit tour de piste. Ratatouille dans le rôle de Ratatouille, voilà. Et puis alors, un petit mot sur ce spectacle que vous venez de voir. N'ayez crainte, il sera reconduit en 2014, 2015, 2016, je sais pas, ça va nous emmener jusqu'à la retraite. Enfin, moi, jusqu'à la ménopause, ça sera déjà pas mal. Alors, il y a un petit truc qu'il faut savoir, mes enfants, parce que les gens se plaignent de ne pas pouvoir voir ce spectacle parce que c'est complet. Bien sûr, c'est complet, mais on peut le voir, la preuve, vous êtes là. Simplement, il faut que les gens comprennent que les réservations débutent début octobre pour l'année d'après et que fin novembre, il n'y a plus de place. Donc, il faut se manier la rondelle, c'est tout. Voilà. Alors, sinon, pour le spectacle en tournée, le nouveau spectacle Les Bodins, Retour au pays, vous trouverez toutes les dates de la tournée sur notre site internet les-bodins.fr. Alors, ça part partout en France, en Belgique, en Suisse, voilà. Et puis, il y a un événement qui se prépare pour septembre 2013. On va fêter les 20 ans du duo Les Bodins. D'habitude dans le public, les gens disent « Oh, ils les font pas !» Que dalle ce soir, que dalle. Bande d'ingrats. Bon, allez, c'est pas grave, on vous pardonne. Donc, on va fêter les 20 ans du duo et on prépare une grande fête du 10 au 15 septembre 2013. Ça se passera à Luynes, sur nos terres tourangelles, non loin de Tours, sous un chapiteau géant. Les Bodins vont faire leur cirque. Il y a plein de surprises. Il reste quelques places, les 10, 11, 12, crois. Eh bien, dépêchez-vous. Voilà, c'est tout. Et si vous avez encore quelques petites minutes à nous accorder, on ne se voit pas si souvent, finalement. On se retrouve dans un quart d'heure sous le Barnum et toute l'équipe artistique. On sera un grand plaisir de vous rencontrer, vous faire les petites dédicaces. Et en nous attendant, bien, tout ce qui concerne les Bodins, au stand des Bodins, les DVD, les livres, les t-shirts, etc. Tout ça, il y a même une petite nouveauté. Hein, c'est un livre magnifique, un petit lexique, comme une petite Bible que les fans nous réclament depuis longtemps déjà. On a compilé dans ce petit lexique des Bodins les 240 meilleures expressions de nos spectacles et de nos films. Vous avez plein de phrases miraculeuses là-dedans que vous pourrez utiliser lors des repas de famille ou même lors d'entretiens d'embauche. Voilà. Et ça peut sauver la mise, ces trucs-là. Voilà, mes enfants, on va terminer en chanson. Alors, vous avez envoyé vos rires, maintenant envoyez vos voix. Ça va durer 20 secondes, mais faut que ça donne. Hein. Et puis, il n'y aura pas d'excuses possibles. Tout le monde connaît les paroles. Attention, 3, 4. Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison. Le petit pont de bras qui ne connaît plus l'air que par un grand mystère et qui piquait tout droit. Le petit pont de bras qui ne connaît plus l'air que par un grand mystère et qui piquait tout droit. Si tu reviens par là, tu verras la rivière, car j'ai refait en pierre le petit pont de bois et je l'ai recouvert de rondins de bois vert. Courant à la rivière, son pied à notre pas. 3, 4, et je l'ai recouvert de rondins de bois vert. Courant à la rivière.